ça y est. Ok, je n'aime pas ça, oui. Et comment ils naissent vos personnages? Dans ma tête. Alors, il faut que je mette ma ceinture, hein, c'est pas le tout. Donc, mes personnages surgissent du néant, sont façonnés par mon inconscient et finissent là où ils peuvent. Dans le meilleur des cas, ils se sauvent et quittent leur vie et voilà. Je suis très observatrice et je crée des personnages composites et suffisamment loin et mélangés pour qu'ils perdent tout lien avec des personnages réels assez vite. Mais j'observe les travers humains, ce qui m'intéresse le plus, y compris les miens du reste. Et la trame narrative du roman? Alors la trame narrative, elle vient après la création des personnages, aussi étrange que cela puisse paraître. Et elle est presque une conséquence des personnages, de leur motivation, de leur caractère, de leurs ambitions et de leurs calculs. Et ensuite, c'est un enchaînement de causes et d'effets. Il y a une nécessité inéluctable qui emmène tout le monde vers une catastrophe heureuse, ou pas. Vous aimez bien cette idée de catastrophe et de... Oui, j'aime bien. Cela dit, ça finit pas mal pour tout le monde dans le livre. Plusieurs personnages s'en sortent, mais en ayant laissé tous leurs oripeaux et en changeant complètement de vie. Voilà, c'est l'histoire d'un changement à chaque fois. Parmi les personnages, il y a Marie Maron, qui est une jeune femme, qui aurait l'âge d'être étudiante, mais qui n'a pas pu faire d'études parce que quand elle avait 15 ans, ses parents sont morts dans un accident de voiture. Elle s'est retrouvée chez sa tante. Elle a très vite arrêté le lycée, puis les cours par correspondance. Elle a la chance d'avoir quand même un emploi de secrétaire médicale chez le dentiste René Chabaudon, qui est lui-même conseiller municipal sans étiquette, bien évidemment, et joueur de tennis. Cette Marie Maron va rencontrer dans une marche silencieuse d'une petite ville voisine, un jeune homme qui s'appelle Gustave Machin, qui est passablement énervé, qui est très ambitieux, qui est un beau parleur, d'ailleurs c'est un commercial, qui se croit incompris alors qu'il est incompréhensible, et qu'il est totalement réactionnaire et insupportable. Et ce Machin va lui prêter attention, et comme c'est la première fois qu'une personne prête attention à elle, et l'écoute parler, et lui parle directement autrement que pour lui demander de mettre la table ou de la débarrasser, cette Marie Maron va s'enticher de ce jeune homme. Et ce jeune homme va utiliser Marie Maron à ses fins, c'est-à-dire qu'il envisage plus ou moins de se lancer dans la politique, il va utiliser Marie Maron, qu'il souhaite voir devenir secrétaire du maire. Finalement, un contretemps va l'empêcher de faire de la politique, car en cherchant à détourner la secrétaire actuelle du maire, qui s'appelle Francine Dumoulin, de ses obligations professionnelles, il va malencontreusement coucher avec elle, et puis ça va mal se terminer, il va malencontreusement l'assassiner, suite à quoi il fera une dépression nerveuse, et il va devoir se retrouver dans un institut pour personnes fragiles, aux nerfs fragiles, qui s'appelle l'Institut de récupération. Mais son ambition va le reprendre et il va transformer cet institut de récupération en secte à sa gloire. Donc il arrivera, dans un encore plus petit microcosme, à créer quand même un micro-état dont il sera le chef. Et pendant ce temps, pendant que lui sera enfermé à l'Institut de récupération, Marie Maron vivra sa vie dans la commune et progressera tout doucement. Vous voulez que je parle des autres personnages ? C'était long, ça va. Alors il y a aussi la tante de Marie Maron qui s'appelle Hortense Maron. Qui est la sœur de feu Jean-Claude, le père de Marie Maron. Et donc c'est une vieille fille acariâtre, revêche, qui n'aime pas les jeunes, qui n'aime personne, qui a été maltraitée par ses parents, qui se trouve moche, qui est vierge, qui n'a rien dans sa vie. Mais elle va s'enticher elle-même d'un jeune homme qui se dit ingénieur providentiel. Et ce jeune homme va savoir lui parler et il va bien savoir la manipuler puisqu'il va s'installer chez elle sous prétexte de refaire sa maison. En fait, il se dit plombier, maçon, charpentier, tout ce qu'on veut. Et il va totalement saccager la maison d'Hortense Maron aux frais d'Hortense Maron. D'ailleurs, cette maison finira en cendres. Alors, comme autre personnage, il y a Maurice Chabaudon, le fils du dentiste René Chabaudon. Alors, Maurice Chabaudon, il étudie la philologie à la ville. Et ça n'intéresse personne, il n'arrive pas à draguer en parlant philologie aux filles. Son père est désespéré. Son père aurait voulu qu'il soit médecin et sa mère aurait voulu qu'il soit avocat spécialiste du divorce. Parce que sa mère elle-même aimerait divorcer et se délester de ses propres enfants. Et Maurice Chabaudon va vivre un grand malheur puisque l'UFR de philologie va fermer parce qu'il n'y a que deux étudiants.
Donc on lui conseille soit d'aller à la capitale, soit de faire autre chose. Et finalement, Maurice Chabaudon ne va pas supporter. Donc il va aussi se passer plein de choses le concernant. Je sais pas s'il faut que je dise tout. Je vais parler de deux autres personnages. Alors il y a qui ? Il y a Francine Dumoulin, la secrétaire du maire, qui elle est malheureuse parce qu'elle se trouve très laide. Bon, finalement, elle va vivre une sexualité débridée grâce aux ambitions malsaines de Gustave Machin. Nous avons le maire lui-même qui veut faire de la com pour sa commune et qui va finir par abandonner tous les crétins que sont ses administrés. Nous avons le docteur Chabaudon qui est maltraité par sa femme, Maryse, qui maltraite tout le monde d'ailleurs. D'ailleurs, Maryse va finir à la secte. L'Institut de récupération, nouvellement appelé le Renouveau solidaire. Et elle va s'arranger pour que tout le monde d'ailleurs quitte la secte et la suive chez un petit noblion qu'elle a rencontré dans la secte. Faut que je continue. Et Josette ? Alors Josette, voilà. Je crois que je me rappelle de tous les personnages. Josette, c'est la... Ben, c'est la putain communale en fait. C'est celle que les hommes vont voir quand ils ont une envie pressante et qui veulent en fait régler ce petit problème dans la journée. Elle prend pas cher, elle est pas méchante et elle-même, Josette, elle va nourrir quelques ambitions. Elle va même gagner un concours, un fameux concours dans la commune. Et puis elle va rencontrer une ancienne star de la télé nationale, Michel Faure, avec qui elle va s'installer. Donc Josette s'en sort très très bien dans l'histoire. Il y a Catherinette aussi. Catherinette, c'est une petite sœur de l'Institut de récupération. En fait, qui a été mise là parce qu'elle a été maltraitée par sa famille et que sa mère était morte. Et elle se prend pour une sainte, elle se croit missionnée par Dieu et elle croit que Gustave Machin est son sauveur. Et avec Gustave, elle va fonder le Renouveau solidaire. Alors, je ne me dis pas, tiens, je vais faire un truc burlesque. J'aime aussi les livres dans lesquels il se passe des choses, pas forcément burlesque. Donc voilà, il y a des personnages, j'ai envie qu'il se passe des choses, j'ai envie que ça raconte quelque chose. Et le scénario, c'est comme dans un rêve finalement. Il y a un message inconscient qui passe et le scénario peut être burlesque. Ça n'a rien à voir avec le message qui est passé, c'est pareil. Je n'ai pas de théorie à faire là-dessus en fait. Oui, c'est comme une fable, comme un conte, ça peut tout à fait se lire comme ça. Chaque personnage peut représenter un archétype de conte. Vous avez le grand méchant loup, vous avez la jeune orpheline, vous avez le prince charmant qui est trop intello pour faire la guerre et chasser les filles. Vous avez le roi, c'est le maire, vous avez la nurse, aigrie, voilà, on a plein de personnages, effectivement, comme un conte, ouais. Et en plus, dans un microcosme qui est cette commune dont on ne sort pas, et on est sur les uns sur les autres. Il y a une morale ? Non, j'espère pas. J'espère qu'il n'y a pas de morale, après il y en a peut-être une quand même, puisque finalement ça ne finit pas si mal pour tout le monde. La morale, c'est peut-être que quand on a tout renversé, on peut recommencer ailleurs et c'est pas mal. Je vois pas d'autre morale. La construction en huis clos. Bah oui, ça permet aux gens de pas fuir trop tôt, quoi. De faire face à leurs responsabilités et d'essayer de se trouver une occupation et une élévation dans ce petit rien. Donc ça, c'est amusant parce qu'ils sont obligés de se monter les uns sur les autres, mais ça fait un tout petit tas. Voilà, ça m'amuse. Je vois pas comment ça pourrait être vulgaire, en fait. Je vois pas comment je pourrais écrire un truc vulgaire. C'est super prétentieux. Non, je sais pas quoi dire. Je pense pas que je vais tomber dans le vulgaire même quand j'écris des gros mots. Certains personnages disent des gros mots, après le style n'est pas vulgaire. Je crois que le style n'est pas vulgaire et la langue ne l'est pas en fait. Est-ce que vous pensez au théâtre, à des personnages de théâtre qui sont incarnés J'y pense pas, mais... Enfin, je pense pas au théâtre, mais ce sont des personnages théâtraux. Voilà. C'est clairement des personnages, effectivement... qu'on pourrait voir sur scène ou à l'écran. Et surtout que dans ce second roman, je suis quand même moins dans leur tête que dans le premier. Donc on comprend aussi leur psychologie de par leurs actes. C'est quoi vos grands référents pour écrire ce livre ? Alors pour écrire ce livre, je n'ai aucune référence. C'est évident, je me suis inspirée de personne. À la suite de la lecture du premier livre, j'ai lu des critiques qui m'ont dit que ça faisait penser à Franz Bartel. Alors j'ai lu Franz Bartel, j'ai adoré. On m'a parlé aussi de l'anglais... Oh, j'ai oublié son nom. Bon, un anglais que j'ai lu, j'ai adoré.
Enfin, il y a plein de livres que j'aime, pas forcément sur le ton burlesque. Ou... Enfin, là, moi, j'ai pas trouvé que c'était burlesque hein, en l'écrivant. Hein. C'est ce qu'on me dit, mais je sais pas. Il y a plein de livres que j'aime. J'aime bien Bernard Quirini aussi. J'aime bien plein d'auteurs. Je sais pas, il y en a tellement. J'aime bien plein de trucs différents. J'ai pas pensé à des écrivains en écrivant. J'ai pensé à mes personnages. En scène, non, j'étais dans mon village. Hein, et j'étais avec eux. Et je ne pensais à rien d'autre et j'étais dedans, j'étais dans la commune, voilà, mais invisible. Voilà. Et je décrivais ce que je voyais dans cette commune. C'est comme ça que ça s'est fait. Il y a quand même un côté polar, il y a quand même un crime. Oui, il y a un crime. Il y a une enquête, ah oui, j'ai oublié un personnage, Barnabé, que j'aime beaucoup. Qui s'est prendre d'un chat noir. Oui, il y a un crime non résolu d'ailleurs. Les méchants ne s'en sortent. Enfin s'en sortent finalement. Les méchants ne sont pas punis. Les méchants et les gentils sont mis tous sur le même plan. Effectivement, donc il n'y a pas de morale au sens habituel du terme par rapport à ça. Il y a même deux meurtres d'ailleurs, quand j'y réfléchis. Il y a Francine Dumoulin qui se fait étrangler, il y a la mère supérieure qui se fait noyer à l'institut de récupération avant justement que celui-ci ne se transforme en renouveau solidaire. Oui, il y a du meurtre, et comme disait tout à l'heure Nina Mouraoui, il y a du sexe et il y a de l'alcool. Mais bon, comme dans la vie, enfin bon, le meurtre, j'ai pas trop envie d'en voir, mais bon, pour le reste, c'est habituel. J'ai rien d'autre à dire, hein. Déjà, je pense que c'est suffisamment long, je pense que si les gens regardent les 30 premières secondes, ça suffit, hein. Oui, sur le burlesque, vous avez rien à dire? Non, rien, parce que c'est... Tout le monde m'en parle, mais déjà, sur le premier, on m'en parlait pour certains trucs, j'y avais jamais pensé moi-même, hein. Je m'étais jamais dit, tiens, je fais un truc burlesque, ou je m'étais même jamais dit, c'est burlesque. Si on me l'avait pas dit, j'en aurais pas conscience. Hein. Moi, je travaille très sérieusement. Hein. C'est après que des fois, les gens me disent, tiens, j'ai rigolé en lisant ton roman, et je dis, ah bon? Voilà. Ça me gêne pas, hein, je suis contente, mais de moi-même, je me dis pas, ah, je vais faire un truc drôle ou un truc débile. Hein, Après, je pense que c'est une tournure d'esprit. C'est ma tournure d'esprit. Le comique de situation? Probablement. Après, j'aime bien d'autres formes d'humour, hein, mais il y a beaucoup d'autres formes d'humour qui me plaisent, mais peut-être j'en suis pas capable, je suis pas à la hauteur de ces autres formes d'humour. On va donc Gare Saint-Lazare, monsieur. Ah ben là, c'est bon, on y est, en fait. Je vous laisse juste là, on peut là-bas. Merci. Vous pouvez nous laisser là, c'est très bien. Merci. Usage communal du corps féminin. Alors, ça se passe... Oh mon Dieu, ça y est, j'aime pas, là. Ça se passe dans une commune et les femmes sont utilisées, mais elles s'en sortent.